Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour les peintures des abonnés numéro 2. Donc pour la première peinture qui m'a été proposée par Zytek, vous devrez vous retrouver dans la catégorie des couleurs métallisées, vous allez mettre du rouge carbanet, et une fois que vous aurez fait cela, vous devrez par la suite aller dans la catégorie des couleurs nacrées, et cette fois-ci vous devrez mettre du bleu. Donc moi pour ma part j'ai mis du bleu ultra, je vous conseille aussi d'en mettre parce qu'au moins le bleu sera beaucoup plus visible, et la couleur franchement pour ma part je trouve qu'elle est magnifique et je l'avais vraiment jamais vue sur GTA 5 Online. Par la suite, pour la deuxième couleur qui m'a été proposée par The Vake, c'est du aluminium ainsi que du vert lime. Donc vous devrez aller dans la catégorie des métaux pour mettre de l'aluminium. Et après, vous allez faire la petite manipulation pour mettre du nacré par-dessus. Et vous devrez tout simplement mettre du vert lime. Et ça fait un espèce de blanc-gris avec une belle texture brillante. Ainsi que du nacré vert. Et je trouve que cette couleur, elle est vraiment magnifique et très lumineuse. Donc par la suite, pour la troisième couleur qui m'a été proposée par Venoob Gamer, c'est du métallisé en vert pétrole. Et une fois que vous aurez fait cela, vous allez aller dans la catégorie des nacrés pour mettre du jaune racing. Et après, vous aurez franchement une magnifique couleur qui sera vraiment beaucoup colorée. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur, surtout qu'elle est vraiment flashy. Par la suite, pour la quatrième couleur, elle m'a été proposée par Soso. Et il propose de mettre du acier noir brossé. Donc moi, je pensais qu'il parlait des couleurs métallisées. Du coup, j'ai mis du acier noir. Et une fois que vous aurez fait cela, vous devrez mettre du nacré orange. Et donc après, vous aurez une couleur vraiment claire avec de beaux reflets orange. Et pour la dernière couleur, donc la cinquième, elle m'a été proposée par X Rochezen. Et pour la faire, vous devrez mettre du bleu galaxy en couleur métallisée et en couleur nacrée. Vous devrez mettre du jaune racing et cette couleur, elle est vraiment super stylée parce que en gros votre voiture sera bleue avec des reflets vert et jaune, et moi j'aime beaucoup cette couleur parce qu'en plus je l'avais jamais vu sur GTA 5. Et donc voilà, j'espère que ces 5 couleurs vous auront plu. Au passage, n'hésitez pas vous aussi à m'en proposer en commentaire de la vidéo, je les prends par rapport à la diversité que j'aurai. Un peu comme dans cette vidéo là, j'essaie de divertir les couleurs pour que ça plaise à tout le monde. Donc proposez-moi des couleurs métaux, des couleurs mat, des couleurs métallisées, un peu de tout. Et au passage, dites-moi bien quand c'est du métaux ou quand c'est du métallisé pour pas faire la même erreur que j'ai fait avec la couleur de Soso, parce qu'il avait dit de mettre du acier noir et il avait pas dit dans la couleur des métaux. Du coup j'ai mis dans la couleur des métallisés et ça change un peu la couleur qu'il me propose. Donc dites-moi bien en commentaire vos meilleures couleurs que vous souhaitez que je réalise en vidéo pour les proposer à tout le monde. Et donc voilà, si cette vidéo vous aura plu ou si elle vous aura aidé, n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir de votre part. Et n'oubliez pas comme d'habitude de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch ainsi que sur Facebook. Les liens se retrouveront dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde, bye.